Les gars, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. D'abord, ma chaîne YouTube vient d'être restaurée. Voilà, après un mois d'interdiction de faire les lives sur YouTube. Mais voilà, j'ai écrit à plusieurs fois. J'ai écrit plus de 6 fois. J'ai écrit, réécrit, réécrit, réécrit. Aujourd'hui, ça y est, ma chaîne YouTube Google Parle Info vient d'être restauré. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, j'ai balancé pas mal de vidéos là-bas. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, allez-y vous abonner. Allez vous faire abonner là-bas au plus vite que possible. Et la chaîne s'appelle Google Parle Info. Bon, Google Parle Info, voici les liens que j'ai mis là-bas. Vous tapez Google Parle Info sur YouTube et du coup, vous êtes abonné. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Restez abonné, restez scotché, restez informé avec votre humble serviteur. Google Parle Info, l'information c'est ici, c'est pas là-bas. Alors, pour ceux qui ne sont pas informés sur tout ce qui se passe en RDC, au Congo, Kinshasa, il y a eu tentative d'évasion, voilà, à Kinshasa, la capitale, dans la prison de Makala, où les gens ont essayé de récupérer une jante à roues d'un véhicule, je ne sais pas, de la sérité ou quelque chose comme ça. Ils ont essayé de casser le mur, pendant 3 jours, et puis le mur a cédé. Il y a eu un trou où les gens ont commencé à prendre la fuite. Et voilà, la police de la prison n'avaient pas eu une autre tactique pour récupérer tous ces prisonniers. Ils ont ouvert le feu. Il y a eu 129 morts selon les chiffres officiels du ministère de la Justice. Bonjour Espérance, bonjour à vous. Bonjour à tous, bonjour. Mariam Zing, bonjour. Alors, et au lieu de récupérer ces gens-là, d'arrêter ces gens-là, mais et ils ont ouvert le fait sur les évadés, il y a eu 129 morts. Vous savez, si la police ouvre le fait sur le gens, pendant 10 minutes, il peut y avoir seulement 5 à 6 morts. Donc vous pouvez tirer 10 balles sur une personne, peut-être une ou deux peut toucher la personne. Donc ce n'est pas facile pour cibler une personne. Donc, si vous constatez que le nombre est vraiment très élevé, c'est qu'ils ont vidé des caisses et des caisses de munitions. Malheureux, ces pauvres Congolais qui voulaient juste sauver leur peau, malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de sauver leur peau. Donc, il y a eu plus ou moins 129 morts lors de l'évasion des prisonniers dans la prison de Makala. Et puis, il y a eu 60 de blessés graves, parfois cerveau, l'œil, mâchoire, la jambe cassée, et 69. Et on ne sait pas, le chiffre pourra quand même monter dans le zéro ou le jour qui vient. Salut Della, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, les gars, ça sont des informations. Bon, à ce qui concerne Pasteur Marcelo, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un live dédié au Pasteur Marcelo. Voilà, j'ai essayé un peu d'expliquer pas mal de gens, des choses sur nos coutumes, nos traditions, voilà, nos rituels, tout ça. J'ai essayé un peu d'expliquer aux gens parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne maîtrise pas trop de choses. Vous comprenez? La jeunesse congolaise d'aujourd'hui ne maîtrise pas trop de choses. Donc, j'ai essayé d'expliquer les gens. Au Congo, on a plus ou moins 450 tribus, 250 langues. Je ne peux pas dire dialecte, non, ce sont des langues. Vous avez une société mythique où il y a plusieurs ethnies qui ne possèdent pas la même culture, la même tradition, voilà, et le même rituel. Au nord, c'est-à-dire les gens de l'Équateur, tout ce qui est nord, ces gens, quand la femme, bonjour Della, quand la femme perd son mari,
La femme va pleurer son mari en dansant, en parlant, en dansant, il y a le tam-tam. C'est-à-dire chez les Mongols, les Ngala, les Mbandi, tous ces gens-là, ils ont le même rituel. The Canadiens, salut à toi. Alors, quand l'homme perd la femme, l'homme va raser sa tête, va pleurer sa femme jusqu'à un moment où les anciens viendront lui dire que non, voilà, c'est bon, tu as beaucoup pleuré, maintenant tu peux t'élever. Alors, au centre, chez les Kasaïens, chez les Louba, si la femme perd son mari, la femme aura la tête rasée, va s'asseoir, pleurer son mari pendant 2 semaines. Si elle veut se mettre debout pour aller au petit besoin, ce sont des anciennes qui viendront à son rescours pour le soulever, le mettre debout, lui donner à manger. C'est comme ça. Et au Kasaï, les femmes pleurent leur mari comme ça. Mais dans tout le Congo, il y a ce qu'on attend par Bokuya. Bokuya, c'est quoi? Bokuya, c'est-à-dire quand tu perds ton mari, tu es censé porter un fardeau, des souvenirs, surtout des souvenirs. Et parce que vous étiez sur le même chemin et de finir la vie, le reste de votre vie ensemble, et puis l'autre est disparu. Donc tu portes un fardeau qu'on appelle Bokuya. Et il y a même des femmes, après la mort de leur mari, ils ne se remarient plus pour toute leur vie. Alors, chez les hommes, l'homme ne peut pas pleurer son amant ou son épouse. Les hommes ne pleurent pas leur femme. Les hommes se mettent debout pour faire des démarches administratives et réconcilier la famille, faire venir les gens pour le soutenir physiquement, moralement et financièrement afin d'enterrer sa femme. Et l'homme commence son deuil. Écoutez-moi, ça c'est hyper important. L'homme commence son deuil après l'enterrement de sa femme. Que l'homme commence son deuil. Donc, pasteur Marcelo est en deuil tel qu'il est là. Il est en deuil. Il ne devrait même pas vous parler des histoires de mariage, des femmes. Non, il est en deuil en ce moment. Vous savez, il porte le fardeau de sa femme. Il a ce qu'on attend par Bokuya chez nous les Bantous. Bokuya, c'est un fardeau rempli de souvenirs que et ça s'oublie petit à petit en gouttes d'eau. Ça peut faire bonsoir Lachouana, ça peut faire 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans, 5 ans. Donc pasteur Marcelo est en deuil. Chez nous les Bantous, les hommes ne font pas le deuil pendant que le cadavre est dans le cercueil. Non, on fait le deuil après l'enterrement et on porte le fardeau qu'on appelle Bokuya. Et Bokuya, on doit te laver par des anciens. Te laver, pas par l'eau, non. Te laver, c'est-à-dire commencer à t'expliquer, voilà, c'est fini. Te dégager de tous ces esprits, de ta femme. Maintenant, tu es libre. Tu peux retourner à tes vacations. Et voilà, maintenant, tu peux faire autre chose. C'est ça, laver une personne. Ce sont des anciens qui savent et discuter avec des esprits. Ce sont eux qui viendront te laver. Donc, pasteur Marcelo est en deuil en ce moment. Il est vraiment dans le vrai deuil. C'est nous, les Bantous, on fait le deuil après l'enterrement. Donc, il y a 4 mois passés que sa femme a été enterrée. C'est maintenant où pasteur Marcelo ne devrait même pas être dans l'église en train de prier, de prêcher les gens la parole de Dieu. Il devrait rester chez lui à la maison. Il est en deuil. C'est pas lui qui viendra enlever ce que nos ancêtres ont imposé comme rituel, comme modèle, comme tradition. Non, c'est pas lui. Comme j'attendais Frère Gola qui chantait une dame qui réclame à sa mère que non, ne demande pas le chèvre à mon amant, demande-lui seulement l'amour. Mais non, ça marche pas comme ça. Il va donner la chèvre si t'es vierge. Parce que ce sont des traditions laissées par nos ancêtres. Tu ne peux pas enlever un article. Non, 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 non. Donc, pasteur Marcelo, à ce moment, il est endeuillé. Il est endeuillé.
Marcello, on dirait, il est belge congolais. Sa maman, on dirait, sa maman ou son père, l'un d'eux est blanc. Soit sa maman ou son père. Mais il doit être un Kassaïen, dit Tété là-haut, quelque chose comme ça. Je ne sais pas beaucoup sur lui. Je ne m'intéresse pas beaucoup sur tout ce qu'il dit. Bon. Mais du moins, je vais intervenir parce qu'il y a des choses à dire à ce qui concerne nos traditions. Parce que beaucoup de gens ignorent ce que c'est nos traditions. Donc, Pasteur Marcello, étant de... Je ne vois pas pourquoi il viendra vous dire que non, sa femme est déjà morte. Il a droit à refaire la vie. Non, comment refaire la vie? Comment refaire la vie? Et si tu as droit à refaire la vie, alors il faut effacer aussi tous les souvenirs de ta femme dans ta tête. Là, on pourra dire que non, maintenant tu es prêt à refaire ta vie. Donc, moi, je dirais que sa femme est morte il y a trois mois et demi comme ça. Donc, le mec est encore sous la couette, là, en train de pleurer sa femme. Donc, il a encore des souvenirs. Et c'est aussi un manque de respect de la part de ses enfants et de son entourage, ainsi de la famille de sa femme. C'est un manque de respect. Vous comprenez? C'est un manque de respect. Moi, j'ai vu des familles, j'ai vu des gens qui ont perdu leur femme à l'époque. Tu verras, même le papa n'arrive plus à dormir dans la même maison. Le papa n'arrive plus à dormir dans la même maison. Il voit l'image de sa femme. Il attend la voix de sa femme. Moi, j'ai vu des cas comme ça. Par exemple, ma mère a perdu mon père, elle avait juste 36 ans. Elle ne s'est pas remariée jusqu'alors. Elle est restée veuve à vie. Veuve à vie. Vous jouez avec cette histoire de perdre quelqu'un qui est cher dans sa vie. Non, arrêtez avec vos histoires de pasteur Marcello là. Arrêtez ça, s'il vous plaît.